Coucou mes choubidous. Alors, aujourd'hui, pourquoi tu dis toujours aujourd'hui? Est-ce que ça vous tente que je fasse une foire aux questions? C'est-à-dire que vous allez me poser les questions que vous voulez et j'y répondrai. Alors, vous pouvez commencer déjà sur cette vidéo à me poser les questions, sur celle-ci, si vous avez envie. D'accord? Et j'y répondrai avec une FAQ, mais si je vois qu'il y a 3-4 questions, je ne vais pas le faire, je vous répondrai comme ça, quoi. D'accord? Sinon, je répondrai par une vidéo. Je suis allée chez mon nose à moi, qui est moins cher que le nose normal. C'est le top. On y va? Vous êtes prêts? Ah, elle est pas prête. On y va. Bon. Alors, tout d'abord, j'ai acheté un petit pot à épices, qui valait je ne sais pas combien chez nous, je l'ai eu à 50 centimes. Petit pot épices, très bien, mais moi je vais pouvoir mettre des bijoux dedans, enfin je sais pas, je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais 50 centimes, franchement, ça vaut le coup, quoi, c'est vraiment pas cher. C'est mon nose à moi. J'ai trouvé ceci, alors c'est pas pour moi parce que je fais pas de scrap, combien ça coûtait? Ça coûtait 2,50€ chez Nose, et je l'ai eu à 50 centimes. Et il y en a combien dedans? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 50 centimes. Le gars, il m'a dit 1€, je fais non. Et comme j'ai vu le patron, il m'a dit, oh non, non, 50 centimes, hein. On lui fait à 50 centimes, c'est 50 centimes, pourquoi tu veux mettre 1€? N'importe quoi, il a dû me voir que j'étais riche, alors pas du tout. 50, en plus, je ne le connaissais pas ce vendeur. 50 centimes, mais quand le patron est venu, il était super. Et c'est la marque Artemio. Voilà. Bien sûr, on ne change pas une équipe. Toujours la marque Artemio, 50 centimes. Donc vous avez celui-ci, vous avez celui-ci. Et vous avez celui-ci. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Oui, je dis j'ai pris parce que c'est pas pour moi. Je me suis pris un petit mug que je trouvais trop mignon, 50 centimes. Et c'est la marque Roli. Ça doit être un truc allemand, je pense. Bref, il est trop joli. Muggy Woggy. Je trouvais qu'il était trop joli au niveau des couleurs. 50 centimes, franchement. Ça vaut pas le coup de s'en passer. Les petits porte-monnaie, la dernière fois, je voulais en acheter un. Bon, bien sûr, il est flashant, mais c'était les couleurs comme ça. Ça coûtait presque 8€, 9€, je ne sais plus combien quand je voulais l'acheter. Et là, je l'ai trouvé à 50 centimes. Et franchement, c'est super pratique, quoi. Vous mettez votre monnaie dedans, vous la trouvez tout de suite. C'est pas comme si, vous voyez. Mais moi, je désinfecte tout, hein. Voilà, là, il n'y avait pas d'emballage. Quand il y avait l'emballage, je m'en fiche. Et, bien sûr, pour ma petite choupinette, Artemio. Vous voyez, c'était à 1,50 chez Nose, et là je l'ai eu à 50 centimes. Il y a des petites moustaches, des petites lunettes. Ah bah ça me dit. Voilà. Et j'ai trouvé. Il manque quelque chose. Ah, je suis dessus, mince. J'ai trouvé dans le même endroit de mon chez Nose à moi, parce que c'est. Je peux dire que c'est comme chez Nose. J'ai trouvé. Je vais vous dire ça. Parce que bien sûr, je l'ai mis tout en dessous. Comme une idiote. Voilà, j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un voilage de chez Jiffy. Voilà, il y avait juste ça, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, regardez, c'est juste à laver. En fait, j'ai un rideau qui me manque et je l'ai payé. Il valait combien? Je sais pas combien il valait parce que Jiffy, c'est quand même pas. Et ben, je l'ai payé 2€. Voilà, et il fait 1m40 par 2m40 de hauteur. Et je pense que ça va être super pour moi parce que je vais pouvoir le mettre sans problème. Voilà, voilà. Et puis, au marché, juste à côté, j'ai trouvé pour 3€ des chaussons pour mon fils. C'est de chez Disney, Star Wars, taille 43-45. Et voilà, regardez. Alors, je suis ton père, Dark Vador. Mon fils, il m'aime bien, t'es folle ma fille. Ma fille, t'es folle ma mère. Voilà, regardez, franchement, ils sont pas top. 3€. Et, pas fini. C'est pas fini, bien sûr que c'est pas fini. Eh, mais franchement, j'ai rien dépensé, quoi. Rien. D'abord, j'ai acheté des pommes, il me restait 70 centimes. Parce que j'ai acheté d'autres trucs avant. Il me restait 70 centimes, je lui dis, ben, donnez-moi 3 pommes, parce que c'est pommes. C'est des délicieuses, mais il est sur le marché. Mais franchement, c'est des tueries, c'est une tuerie ces pommes. Et elle les vend 1,50€ le kilo. Et malheureusement, je ne voulais pas aller chercher dessous. Je ne voulais pas faire ma carte bleue, dépenser. J'ai pris ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Et du coup, j'en ai eu pour 70 centimes et m'a offert une pomme en plus. Franchement, c'est trop génial. Et elles sont divines. Excellentes. Vraiment très bonnes. C'est des délicieuses. Alors ceci.
Il est sympa, hein? En fait, c'est pour mettre mon make-up, parce que des fois, le matin, je me maquille sur le canapé, j'aime bien. Et comme ça, je vais poser mon make-up. Je passe tout mon make-up, regarde. Je sais pas à combien il était, mais franchement, il est super sympa. Pour 2 euros. Voilà ce que je me suis acheté. Non, mais regardez. Non, mais regardez. Non, mais regardez ça. Regardez. Franchement. Avec la petite couronne et tout, il est trop beau. Ah, il y en avait un avec de la moumoute blanche, grise, mais je trouvais que celui-là, il était trop marrant. Voilà. Et du coup, bah, je me le suis pris. Je mettrai dans mon sac. Mais par contre, il faut que je le cache parce que Ivy, elle va manger tous les petits trucs là. Mais regardez ça comme il est beau. Pour 2 euros. Et en fait, il m'a dit le vendeur, il était vendu à plus de 9 euros. Voilà. Voilà, je vous le montre. Le choupipi, il s'appelle. Choupipi. Complètement chardé. Et bien sûr, je sais pas si vous avez vu, ou je sais même pas si je l'ai mis la vidéo où j'ai fait les cadeaux et tout ça, Action, si je crois, que c'était pour faire des années. Oui, je l'ai mis. C'était pour faire un anniversaire. J'ai complété avec ceci. Il est magnifique. Regardez. Mais franchement, il en jette. Hein. Et puis vous avez les petites boucles d'oreilles. Mais les petites boucles d'oreilles, elle peut très bien les mettre sur de l'or et puis les clipser comme ça, quoi. Genre, elle trouve des petits anneaux en or et puis elle les clipse comme ça. Mais si elle les met pas, c'est pas grave. Mais voilà. Voili, voilou, mes petits achats du jour. Donc, franchement, rien, quoi. Si je vous dis le prix de ça. Moi, je le dis, de toute façon, c'est ma sœurette et je m'en fous, elle le sait. Hein, on est sœurette pour la vie, à jamais, donc je m'en fiche pour toujours. J'ai payé 1 euro. 1 euro, franchement. Vous vous rendez compte? Alors, j'ai dépensé en totalité 2 euros. Les chaussons, 3 euros, ça fait 5. Là, ça fait 6 avec le bracelet. Là, ça fait 7. 50. 8. 8,50 et 70, ça fait 9,10 quoi. Voilà, j'ai même pas dépensé 10 euros. Et vous avez vu tout ce que j'ai. Et j'ai le Mazagran. Moi, non, j'ai dépensé 10 euros parce que j'ai oublié ça. Voilà. Mais franchement, 50 centimes, vous vous rendez compte? Ça, c'est mon os à moi. Il vaut de l'or, mon os à moi. Parce qu'en fait, je pense que c'est des articles de chez nous, ça c'est sûr, qui rachètent. Et comme il y a des arrivages chez Noz, ben je pense que là, c'est des arrivages, enfin c'est des choses qui sont plus vendues et qui se veulent plus ou qui veulent refaire des stocks. Et franchement, voilà. Et bien on trouve des bijoux, on trouve des pépites. Mais quand je vous dis des pépites, c'est des pépites. Là, j'ai pas pu tout prendre. Le rideau, regardez, 2 euros. Je peux pas, mais en fait, il faut fouiller. Mais il faut arriver le matin et vous avez des livres aussi qui coûtent une blinde. 50 centimes, quoi. Franchement. Voilà, et puis je voulais vous montrer mon petit rouge à lèvres du jour que j'adore. Celui-ci, je ne sais pas s'il y a encore, de chez Sephora. Il s'appelle Etaxi. Et c'est celui-ci. Je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est le 27. Mais de toute façon, il s'appelle Taxi. Mais je crois qu'ils l'ont arrêté. Et regardez, mais regardez ça. Pourtant, on dirait que je suis maquillée, je vous jure, j'ai juste mis du crayon noir. Mais ici, j'ai rien mis, on dirait que je suis maquillée. Ça doit être la force de me maquiller, je sais pas, la couleur, la teinte. Mais je suis pas du tout, je suis pas du tout, comment dire, j'ai rien mis quoi. J'ai même pas de fond de teint, j'ai rien, j'ai mis juste du rouge à lèvres et un crayon noir que j'aime bien, de chez NYX. Et mes crayons à sourcils, c'est tout, rien. Rien de rien de rien. Bon, sur ce, mes choubidous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis I love you, ishlibedi, stekiero, ti amo. Ah oui, alors ça aussi, c'est mon idée. J'avais acheté un pull une fois, un ange. Et je me dis, ça m'énerve parce qu'en fait, on ne le voit pas. On voit le pull, mais on le voit derrière. Et moi, je ne le vois pas. Et donc, j'ai décidé de mettre les ailes devant. Et du coup, il est comme ça derrière. Voilà, ça, c'est moi, dans toute ma splendeur, mes inventions. Voilà, je pense que je vais bientôt retravailler un mi-temps thérapeutique. Je ne suis pas capable encore. Je suis trop stressée. Contrairement à ce qu'on peut voir, je suis très bien, c'est vrai. Mais au niveau du travail, au niveau de tout ça, il y a un gros stress encore qu'il faut guérir, qui est compliqué. Voilà, ben sur ce, je vous dis bye bye. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Actionnez la petite cloche. Ding, 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 ding. Voilà. Et puis surtout, ben,
On va faire comme d'habitude. Je vais mettre la vidéo maintenant. J'essaie d'en mettre une tous les jours là. Eh bien, on va faire une question. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour Noël? Quel est le cadeau que vous aimeriez avoir pour Noël? Alors, la famille, oui, c'est normal, mais je... un cadeau, genre, je sais pas, un parfum. Vous voyez, regardez, même un truc à 50 centimes, ça fait plaisir, vous voyez, juste pour savoir, d'accord? Voilà, ça c'était ma question du jour. Et je voulais vous demander juste sur ce, j'ai le concours de la palette et du mascara, je vais bientôt faire le tirage. Alors, si vous voulez encore participer, parce que j'ai pas beaucoup de participants, si vous voulez encore participer, mettez hashtag Sybille, je saurai que vous participez. D'accord? Voilà, j'ai 3 vidéos que je dois regarder. J'ai aussi l'Instagram que j'ai mis. Voilà, donc j'ai... Parce que j'ai mélangé Instagram et YouTube. Bon, sur ce, eh bien, je vous dis, cette fois-ci, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais la mettre tout à l'heure, la vidéo. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je ne sais pas si ça vous convient ou pas, si vous avez envie ou pas. Vidéo, il y a Alain, normalement, qui ne devrait pas tarder quand, je ne sais pas. Il y a Tachito qui doit venir le 5 décembre, mais lui, j'y crois pas. Parce qu'il dit toujours qu'il vient, mais après, on lui prête des appartements. Enfin, bref. Sur ce, j'ai fini de vous raconter toute ma life. Voilà, et puis, parce que je suis bien avec vous, hein, quelque part, et je vais... Non, mais regardez ça. Il est trop choupi, il est adorable. Et c'est tout neuf, hein. Et puis, il est tout doux, il est lavé avec Myrlène. Bon, allez, bye, ciao, Sybille.